Muguette était une très jolie fille européenne, native de Paris, brune et de forme gracieusement arrondie. Elle était venue habiter la lointaine Chine mystérieuse, avec ses parents, quand elle était encore toute petite. Son père était bientôt mort d'une maladie honteuse, contractée dans un lupanar mal fréquenté. La mère de Muguette éleva celle-ci avec un soin digne d'éloge, travaillant durement dans la mine de sel pour nourrir l'enfant. Las, Muguette avait à peine 15 printemps quand sa brave femme de mère mourut à son tour d'épuisement après avoir été violée par les 450 survivants d'un régiment de tirailleurs sénégalais cantonné dans la province chinoise de Winpuet pour prévenir une éventuelle invasion sud-américaine. Livrée à elle-même, la jeune fille pleura beaucoup, fit ses bagages, quitta la coquette maisonnette dont elle ne pouvait plus payer le loyer, et s'enfuit par les routes poussiéreuses. Subsistante, tant bien que mal, grâce aux honnêtes revenus que lui procura la pratique de la prostitution, Muguette parvint ainsi, par un beau matin d'avril, où le myototis gazouillait joyeusement de toutes ses blanches clochettes, sur tous les toits des pagodes, dans la petite ville de Moamoa. La ville plut à Muguette, et Muguette décida donc de rester dans cette ville. Elle s'en fut sonnée chez un homme chrysanthème, une maquerelle connue et prospère, et se fit sans retard engager parmi le personnel galant du bordel de luxe dirigé par cette dame. L'innocent enfant était depuis 15 jours à Moamoa et y exerçait avec application et conviction son métier de putain, lorsqu'un matin, une de ses compagnes de tapin, une grosse négresse surnommée Tapé la Youpette, fit irruption dans sa chambrette. « Sais-tu ?» questionna primesautièrement la moricote, tout en se lavant le cul son chichini-flafla dans le bidet de sa camarade. « Sais-tu, Muguette, mon petit cœur, que nous avons congé aujourd'hui ?»« Congé ?» s'écria Muguette, qui, de joie, battait des menottes. « Et pourquoi avons le repos aujourd'hui ?»« Ouh, la petite ignorante !» se moqua gentiment Tapé la Youpette, tout en s'essuyant la raie avec la tenture. « Tu ne sais donc pas que c'est jour de fête ? Tu ignores donc que dans la province de Winpuet, on commémore la Saint-Yurima par de grands défilés masqués ?» Muguette éclata en sanglots. « J'ignorais ce charmant usage, avoua-t-elle, entre deux crises de larmes. Ma pauvre, chère petite maman était trop peu aisée pour me sortir dans le monde, et je ne sais rien de ce qui se passe autour de moi. » Tapé la Youpette consola Muguette, sécha ses larmes, tamponna ses yeux, lui promit d'être à l'amusement, et il la remit complètement de bonne humeur en lui proposant une partie de Coco Ro Yulala, un vieux jeu chinois traditionnel qui est un peu l'équivalent du jeu de Touche-moi la fesse, la fente, pardon, de Touche-moi la fente et je te montrerai mon petit trou qu'on pratique encore dans nos belles campagnes françaises le soir à la veillée. Muguette, qui aimait beaucoup jouer au Coco Ro Yulala car elle était salope, gagna la première manche en jouissant au quart de tour, perdit la seconde en faisant mouiller trop vite Tapé la Youpette, et fut disqualifié pour avoir, au cours de la troisième, fait pipi dans la bouche de sa partenaire en chantant un cantique à Bouddha au lieu d'y faire pipi, comme l'aurait voulu la règle du jeu, en chantant un cantique à Siva.